beaucoup de choses à Marrakech aussi. Voilà, donc. Mais je vois que les Marrakechis font beaucoup de choses pour Marrakech. Exactement. Exactement. Bienvenue, viens, je te fais la visite. Mais ah oui, donc là on parlait de la taille. Alors. Pour moi, si vous le comparez à Bigard, des gens qui ont un succès énorme en France, oui, oui. Si vous le comparez à des gens qui ont leur temps, ou Muriel Robin qui est aussi. Oui, je veux bien. Alors, donc, voilà. Comment il s'appelle que j'aime beaucoup, qui met Johnny Hallyday? C'est Laurent Gérard. J'étais à Lyon. À Lyon pour la manifestation. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a un magnifique, merveilleux, regardez-le. Il y a une belle barbe, des belles lunettes. Bienvenue à tous pour cet événement. Donc je vais vous parler en français. Donc je me présente, je m'appelle Abou Sofiane Moustaïd. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter cet événement qui est la remise de récompense par le président de la Fédération Internationale du Tourisme qui est venu à Marrakech spécialement pour cet événement-là, pour remettre la médaille d'or et du prestige pour la ville de Marrakech. Et à cette occasion-là, donc, notre ami Faudel va recevoir la médaille d'or des arts et de la culture pour l'ensemble de son parcours, avec Echo, l'humoriste Echo, qui va recevoir la médaille d'or des arts et de la culture. Et à cette occasion, bien sûr, je serai nommé bien sûr, délégué de la fédération. Et j'espère que cette nomination pour moi va pouvoir être un tremplin pour mon pays, le Maroc, parce que je suis fier d'être marocain. Et avec cette crise sanitaire, j'espère relancer en organisant des événements, en faisant venir des célébrités, des stars et beaucoup de touristes, parce que la ville de Marrakech et le Maroc en général méritent bien sûr tout cet engouement, tout cet... comment dirais-je, j'en perds mes mots, la ville de Marrakech mérite vraiment à ce que le tourisme repart et j'espère contribuer à ça. On a la chance d'avoir Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui contribue beaucoup à l'effervescence du tourisme au Maroc et j'espère qu'avec bien sûr le nouveau gouvernement de Monsieur Akhanouche, tout va évoluer, j'en suis fier et je suis fier aujourd'hui de représenter cette fédération au Maroc et pour tous les Marocains. Voilà, je vous remercie. Merci.